كيف هو وضع الخدمات العامة بمنطقة المصيد بي؟ يعني من الكهرباء تفضلي نجا بسكن المصيد بي، إذا حدا إجا لعنا ما في باركينج يصف. شكرا كثير. إذا بدنا لنفكر كمان كلنا سوا، بلدية بيروت يعني يصير عندها خط أحمر بموضوع البيوت التراثية والقديمة. بدي أرجع شدد على قصة الباركس، ماشي هون كده هذه يمكن الوحيدة وإتس نوت إيفن إنه مانا مكان عام. أنا دايما بالليل بخاف أرجع لحالي على الطريق، لأن بصف بباركينج بعيد عن البيت لأن بنية قديمة فما في إلا باركينج. ليه بخاف؟ لأن ما في ولا ضوء لا بالشارع الباركينج ولا بالشارع البيت تبعنا. La municipalité doit être très proche des gens parce que c'est pour les gens, pour les habitants. Et l'état de fait aujourd'hui est que elle est très loin et les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe, ils n'ont rien. Donc ce genre de débat dans les régions de Beyrouth qu'on est en train de faire, c'est pour écouter les gens que personne n'écoute et pour voir vraiment ce dont ils ont besoin. Ils ont envie et besoin de s'exprimer. Aussi, ça nous alimente à nous aussi pour améliorer notre programme, pour voir comment on va travailler mieux. كثير عالم حكيوا قديش خلقوا بالمصيدبة وعاشوا بالمصيدبة وبيعرفوا كثير مشاكل المصيدبة، بس كمان ما بيقدروا يصوتوا بالمصيدبة. هذا موضوع انطرح كذا مرة ولازم نضوي عليه. Je suis venu parce que ce sont des personnes qui se présentent aux élections municipales, c'est-à-dire ils se présentent pour représenter, pour écouter d'abord et résoudre ensuite les problèmes les plus proches des gens. Or, vivant dans ce quartier, je ne peux qu'être concerné, surtout que ces gens ne sont pas affiliés politiquement, ils sont engagés par le bien du citoyen. Voilà, non, je suis très satisfait, je suis content d'être venu. Voilà. Vous savez, les municipalités qui ont été élues après la guerre, surtout à Beyrouth, ce sont des gens qui ont réussi grâce à leurs relations avec les leaders politiques, plutôt à travers leur connaissance du terrain et travail avec le peuple. Nous sommes un groupe des gens, surtout des académiques, des professionnels, des gens, des activistes qui ont travaillé pour la capitale pendant des années, fait des études, proposé des solutions, mais finalement on n'a pas vu que ces propositions étaient effectuées sur le terrain. C'est pour cela qu'on a décidé de prendre le pouvoir nous-mêmes pour qu'on puisse appliquer notre plan. La chose la plus importante, c'est de commencer par le programme qu'on a écrit et commencer par les choses les plus nécessaires pour les gens. Les rues, la santé, les déchets, la communication avec les gens et qu'ils sentent qu'on est tous ensemble, on est pour eux, on est là pour les servir. On n'est pas là pour leur dicter ce qu'on a envie de faire nous et on s'en fout de ce qu'ils veulent. Voilà. Il y a un ennemi lourd en face qui est que les gens suivent aveuglément des politiciens qui ne représentent que des épluchures d'eux-mêmes, ils ne pas leurs intérêts véritables. Il faut quand même être réaliste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des chances et qu'il ne faille pas se mettre en mouvement. أول مرة أنا بندعي لهيك اجتماع لهيك محل وحبيت كثير لبي الدعوة لأجي عبر عن شعوري وعبر عن ألمي. عندي أمل كبير فيهم، إن شاء الله الدم الجديد هو اللي يحسن المنطقة ويحسن البلد بشكل عام.